haïtien. Gros nouvelle là, c'est attaque qui fait dans la ville Moscou côté 40 moun pour pipiti mouri. Et puis Kate Middleton qui c'est princesse pays de Galles, et ben li fait cancer. Et l'autre point cap dominé actualité. Il y a plusieurs opérations qui font dégâts mortels dans mitan gang armé qui ont même continué à semer l'intérêt dans mitan population civile, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Toujours dans le pays d'Haïti, suspense a continué sous composition officielle avec installation collège présidentiel transition. Et puis dans l'international, le Conseil de sécurité des Nations Unies rejeté une résolution États-Unis pour un cessez-le-feu dans la guerre Israël-Hamas pendant que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvait dans la région Moyen-Orient. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment qui est et qui côté wap tande et puis garder en même temps vidéo ça. Je l'autre fois qu'on a dit bienvenue sur channel là pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour aujourd'hui. Quelques n'a grand pour cap dominer actualité que nous portons pour n'a pas connait et bien plein déjà commencé là en dans conseil présidentiel 7 tête CARICOM là pendant premier rencontre CARICOM lui même l'était fait avec conseil là et bien René Jean Gimot li parler ouais parti petit ou bien parler représentant parti petit Dessalines il voulait mettre dehors à toute force représentant Moïse Jean-Charles là malgré CARICOM voyait j'étais bien loin décision style. De l'autre côté tout n'a pas connait et bien balle pas suspend tirer dans zone fort national entre que kon qui gagne la police avec nèg vivant ensemble qui attaquer base boy de la côté yo ta vle prend base là dans Jacques. La police a arrêté évadé Joseph Mackinson qui était sorti dans prison. De l'autre côté n'a pas connait et bien sur route aéroport international Toussaint Louverture là et bien pendant vendredi soir pour l'ouvrir matin là en pile coup de balle continue à chanter bagaille ou pas douce même dans fort national pour moment n'a parlé avec ou là. La police annoncé qu'il a arrêté deux cousines. N'a venir avec tout détail de deux cousines ça qui Jean et n'a pas connait général l'armée aérien dominicain qui c'est Mao Gomez Vasquez lui-même li fait qu'on équivalent moun yo déjà traversé là en Dominicanie pour ça quand pilote que nous voter pour une édition spéciale VOA créole ça nous invité ou aller ti chez ou côté nous pas faut entendre édition la voix de l'Amérique là et n'a retourner dans titan qui pas trop long pour nous capable porter reste détail. Bonne nouvelle là c'est attaque ça qui rivé dans tout près ville Moscou dans pays la Russie côté nèg armé entré dans un concert et ben yo simé coute yo ouvert coup d'âme et ben 40 moun qui perdu la vie et plus passé yon centaine et blessé et gagné déjà quelques réactions qui sortit à travers le monde notamment la Maison Blanche qui réagit dans voix et que conseiller sécurité nationale la Maison Blanche parle de John Kirby qui dit que le pourquoi parler sous détail attaque là même image li wayo yo tout simplement terrible elle était due pour li capable garder yo donc c'est dans Crocus City Hall que bagay ça rivé donc 40 moun pour pipiti perdu la vie et au moins 100 l'autre blessé dans attaque ça qui fait dans ville Moscou dans pays la Russie et média russe dit c'est yon attaque qui pi mortel qui rivé dans jour se passé là qui frappé pays la Russie. N'importe quelle actualité concernant pays d'Haïti, eh ben gain police nationale là qui mène plusieurs opérations qui fait dégâts mortels parmi gang yo qui continue yo même y a semé l'intérêt dans pays d'Haïti plus précisément dans capitale là. Nous pas rejoindre correspondant nous Renan Toussaint. Agents différents, unités spécialisées dans la police nationale d'Haïti menaient plusieurs opérations cérébulon contre bande armée dans dernier jour ça yo zone Croix des Bouquets, Port-au-Prince, Pétionville et Delma, côté plusieurs présumés assassins perdus la vie, parmi eux, Ernst Julien alias Tigreg, présumé chef gang Delma 95, là, qui fait claguer dans la prison pénitentiaire nationale, les nègres de Cassie Prison, il mourit dans Boukata avec coup de balle, avec la police, avec plusieurs autres blessés, force l'audio fait plusieurs arrestations, accès et tout, plusieurs armes à feu. Unité spécialisée au débloqué tout, plusieurs axes routiers comme stratégie pour récupérer certains espaces nègres armés occupés. Objectif là, c'est faciliter libre circulation citoyen paisible, zone Delma 6 et Delma 8. Autorité policière a annoncé pas trop longtemps y a gagné pour présenter un bilan partiel par rapport à l'opération policière, que ce soit en bas la ville, tout près par les nationales, pendant que l'institution continue à solliciter bourrade population haïtienne dans le cadre de lutte contre le grand banditisme sur le territoire national. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis après opération ça que la police menait, eh ben correspondant nous n'importe où prince Massado Villemédi, il constatait que il y a plusieurs cadavres que moun capable constater dans quelques quartiers dans Pétionville et Massado Villemédi. Dans l'environnement, nous faisons dans quelques rues communes Pétionville, avec Rodelma, puis précisément Delma 60 jusqu'à 95, nous comptons pour petit 10 cadavres qui passaient en bas d'ici. Quelques citoyens et citoyennes qui ne voulaient pas les dynamiques croient devant la caméra, nous, dit moun kap boule ou fait partie de gang qui est dans la tête, petit Greg qui tombe tout, dans boucanté coup de balle avec la police hier jeudi 22 mars 2024 là. Quelques machins qui étaient parlé avec nous, demandaient la police continuer à prendre responsabilité pour la vie capable de retourner complètement dans Pétionville. Oui, je dis à mon autre Pétionville, nous voulons. Je dis à mon autre Pétionville, je dis à mon autre Pétionville, je dis à mon autre Pétionville, continuez à travailler. Je demande les deux fois, les gangs, mais ça va les étoiles, là pour finir, là pour finir, ça va commencer. Ça va commencer, ma gueule, pour qu'on gagne là. Nous-mêmes, nous allons faire, 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 nous all
la police a fait effort, mais vous avez guidé. Devant la paix qui a soufflé sous Pétionville, la mairie déjà reprend le travail pour nettoyer la commune. Et nettoyage n'a pas été un vent d'espoir parce que la commune Pétionville, c'est une commune de référence liée. Et malgré tout ça qui est dans le pays, nous connaissons Pétionville, il est nettement différent. C'est ça que tout ça qui est, nous-mêmes qui sommes dans le service de la mairie Pétionville, nous voyons qu'il est important et même hyper important. Malgré insécurité, malgré problème, pour nous faire travail, nous qui c'est nettoyer et propre la commune. La police est là pour protéger sa vie, garantir la sécurité dans la commune. Nous-mêmes, ça, nous-mêmes, nous l'avons fait, c'est faire travail pour nous. On a rappelé, dans moins d'une semaine, c'est plus passé 30 cadavres nous arrivés comptés dans la commune Pétionville. Toutefois, autorité pour prononcer sous circonstances, la moment s'il y a. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massa Dovilme pour VOA Créole. Merci, Massa Dovilme. Pendant ce temps, suspense là, a continué sous composition officielle avec installation collège présidentiel transition. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince. Yves Manuel. 7 membres titulaires et 2 observateurs, yo désignés pour composer conseil présidentiel là dans le pays d'Haïti, yon entité qui chargée pour superviser transition politique là dans le pays. Conseil ça bien pour jouer un rôle important dans nomination yon nouveau premier ministre avec préparation prochaine élection présidentielle. Yo. Formation conseil présidentiel là achevé hier jeudi après quelques ajustements qui fait la donne de dernière minute. Même membre qui est dans le conseil présidentiel de transition, Emmanuel Vettilaire, c'est ancien juge d'instruction, tribunal première instance dans le cap haïtien, il est nommé par Petit Dessalines. C'est actuellement avocat et directeur administratif financier dans l'université publique Nord dans le cap haïtien. Dominique Dupuis, c'est ambassadeur d'Haïti auprès UNESCO et le représentant de la coalition Raid à compromis historique. Il est reconnu pour engagement et dynamisme dans UNESCO. Lui, Gérald Gilles, c'est un militant politique et ancien sénateur qui est nommé par accord 21 décembre. Il est également médecin et le fondé mouvement politique Nouvelle Orientation Unifiée pour libérer Haïti, nous là. Fritz Alphonse Jean, désigné par accord Montana, c'est un économiste et lien en pile expérience dans le secteur public tant que privé, sans compter institutions internationales. Leslie Voltaire, c'est architecte urbaniste, ancien ministre, il est nommé par Parti Famille Lavalas, il a une expertise de près de 40 ans dans le secteur public et privé. Edgar Leblanc-Fils, c'est ancien sénateur et président Sénat, il a une longue carrière politique et il est actif dans plusieurs mouvements politiques. Laurent Saint-Cyr, c'est président Chambre Commerce, pays d'Haïti, c'est secteur privé qui nomme, il a récemment participé dans HCT1 avec Premier ministre Ariel Henry. Pour observateur, c'est Frinel Joseph, pasteur et homme d'affaires, il représente la société civile et la diaspora, il a une spécialité dans la crise humanitaire et il est conseiller matrimonial. Enfin, il y a René Jean Jumeau, qui est un spécialiste dans les affaires énergie, c'est un ancien ministre qui est désigné par Rassemblement pour une nouvelle entente nationale et souveraine, il a une expertise de plus passer 30 années dans le domaine énergie. Même avec observateur Sayo, a gagné un rôle important pour jouer dans la transition politique dans le pays d'Haïti, ça qui est capable de contribuer dans l'instabilité et préparer la prochaine élection générale dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Donc, tu es capable de comprendre, 9 noms qui t'a soi-disant fait partie du conseil présidentiel transition, et bien, ils prennent toute la presse sans que beaucoup gagnent. Il y a un autre officiel qui sortit ou bien beaucoup de CARICOM ou bien beaucoup de premier ministre haïtien, Ariel Henry. Pendant ce temps, vu la situation dans le pays d'Haïti, dans pile organisation internationale avec pays qui ont même à retirer ou bien retirer ressortissants ou bien employés dans le pays d'Haïti. Donc, il y a un phénomène évacuation qui a continué. Valérie Saint-Louis. Vidéo ak image sa yo te publié lundi 18 mars passé, image yo te montré membre Congrès américain dans l'État Floride, député Corey Mills, qui représentait 7e district Floride là, en action cap aider évacuer citoyens américains yo sorti dans un côté qui pas trop fini identifié en Haïti. Député Mills te partagé vidéo a sous compte X li a, il te dit que 13 américains qui étaient évacués et que équipe li a été sauvé et évacué avec succès, plus citoyens américains passé président Biden ak toute administration li a. D'après rappelé que le premier ministre haïtien Ariel Henry, bloqué dans Porto Rico, a annoncé démission une semaine de ça, en attendant un remplacement temporaire, mais conseil présidentiel là qui t'a dû choisir l'autre premier ministre pour co-finaliser. Pendant ce temps, capital pays a été paralysé par nouveau attaque gang dans fin semaine passée, avec 10 feux dans la prison principale, côté que prisonniers ont été sauvés quelques jours avant, et puis résidence privée chef police nationale là, que bandits ont été attaqués et puis mettez 10 feux la donne. Prouvez au Créole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Donc, crise pays d'Haïti a gagné répercussions sur l'autre côté, notamment gagné. Et République dominicaine, autorité dans le pays ça, ils prennent des mesures au niveau frontière que vous partagez avec le pays d'Haïti. Et c'est comme ça, envoyé spécial, non, Jean-Robert Philippe, trouvé en République dominicaine, côté que li avec la communauté haïtienne. Et puis, regardez tout ça qui a passé sous frontière, nous gagnons depuis le commencement de semaine. Jean-Robert Philippe, ou dans la communauté haïtienne en République dominicaine, et qui sont qu'à dire nous, parlez-nous de bien ce que vous trouvez, qu'on y a là. Nous sommes dans le Domingo,
particulièrement dans le parc Enrique, qui est même dans la capitale Santo Domingo, parce que pratiquement on a fait des fins tourner ça avec en République dominicaine pour constater la situation. Côté nous là, c'est un quartier qui remplit l'Haïtien la dernière, et c'est Haïtien qui fait. En République dominicaine, il y a Haïtien qui immigré là. Et les gens nous rencontrent tout qui dit nous, ils étaient ici là, ils n'ont pas de document légal, ils ont arrêté, ils ont en Haïti, et là-dedans. Qui retournait après que les autorités dominicaines aient déporté le territoire dominicain parce que pas de document légal. Et Jean-Robert Philippe, nous connaissons que la République dominicaine tournait un point d'évacuation, et non seulement évacuation, mais de déportation tout. Est-ce qu'on peut parler de deux phénomènes, déportation avec évacuation qu'a fait à partir de la République dominicaine? Oui, effectivement, Jacqueline, son opération évacuation, son opération a commencé depuis dimanche pour Américains. Mais vu que façon que les États-Unis ont fait évacuation, ils font sous deux fronts. Ils font une d'abord à partir du Cap Haïtien, que vous montrez au Miami, et ils font l'autre évacuation. Il y a moins de monde qui est là dans les temps que moyens de transport là, il est très limité. Par exemple, les Américains qui arrivent en Haïti et sont en Haïti ou à la République dominicaine, c'est à travers un hélicoptère qu'ils ont fait et ça, il est très limité. Il va tout seul à commencer, mais l'autorité américaine, que ce soit dans le département d'État, il dit qu'il y a un travail pour dans quelle mesure il va évacuer plus de monde possible, plus d'Américains possible qui ont besoin pour quitter le pays d'Haïti. Mais il pose des conditions, il dit qu'il faut qu'on inscrit, il faut faire des demandes pour être capable de retourner. Donc, le monde qui évacue sur Haïti ou à la République dominicaine, il y a plein. Mais le monde, c'est eux-mêmes, c'est la République dominicaine, c'est eux qui dégagent, pour payer moins de transport pour aller aux États-Unis. Parce que le monde qui évacue à partir du Cap Haïtien à travers un vol charter privé, le monde, c'est eux-mêmes qui a gagné pour payer le voyage, mais c'est là qui est arrivé aux États-Unis. Mais entre temps, rien n'a pas changé. C'est pratiquement jusqu'à présent, d'après ça que nous lit, il y a à peu près moins que 200 citoyens américains qui déjà sont en Haïti, en République dominicaine, d'après les données que l'autorité de débat sont pas. Mais vraiment là, comparé avec l'autre moyen qui est gagné, parce qu'il y a une très limitée en termes de quantité de monde pour être capable d'évacuer en même temps. Et il n'y a pas même petite quantité de voyage que vous faites par jour. Et Jean-Robert, brièvement, dis-nous, quelle est la situation sous frontière et République dominicaine partagée avec Haïti en termes de déportation? Et qui j'en déporte, qui j'en frontière en termes de déportation, qui j'en frontière, quelle situation frontière et frontière que Haïti partagé avec la République dominicaine? Non? Bon, j'en pas rien qui change. Il faut accepter que les Dominicains, les Dominicains, les gouvernements dominicains, à travers le service immigration, opération et déportation, ils partent en pays, ils continuent à faire chaque jour. Et chaque jour, vous pouvez il y a au moins 10 camions, bien 10 autobus, service immigration, qui ont arrêté pendant tout le temps que le fait arrêter, qui mettent au côté, qui sont au centre de l'Aïna. Et le monde, chaque jour, ils ont déposé un groupe. Les gens disent que le monde, ils ont un processus qui fait pour eux, ils ont fait un préparer un dossier pour eux. Et là, ils viennent à Haïti, tout le monde, le dossier préparé pour eux. L'opération, la continue. Alors, nous, c'est sous deux fronts. Bien d'abord, nous déporter, contre eux, même ça, ils vont nous forcer à retourner, qu'à déposer. Et bien, tous des compatriotes qui ont même choisi de retourner en Haïti volontairement parce qu'ils disent, soit parce que les documents sont finis, parce qu'ils n'ont pas gagné pour renouveler les documents, hein, ou bien qu'ils ont fait leur moyen d'aller parce qu'ils n'ont pas la pression que le service d'immigration a pris sur. Et d'autant plus, Jacques, il y a plusieurs entités qui entrent en jeu. Ce n'est pas seulement le service d'immigration qui a arrêté Haïti, qui a vu le pays à ce document légal. Il y a toute l'autre agence dominicaine qui a fait même travail à tout. Et par exemple, quand il m'a parlé là, qui n'a pas le parc de Kyo, nous on peut avec des compatriotes qui disent que c'est chaque jour service d'immigration qui vient de la ville d'ailleurs. Donc, nous avons dit que pendant là, il y a pas de ni à droite ni à gauche pour eux, si pas d'agrès, service d'immigration qui vient de la ville d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus pas de milieu là. Quand il y a qui n'a pas de document légal, mais qui vient, qui tout, qui a été déporté et qui retourne par même moyen qui a été rentré déjà. Merci Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial, service créole, VOA créole, en République dominicaine. C'est le dernier moment que l'a passé en République dominicaine, côté que l'a regardé pour l'ouest. Qui j'en sais par rapport à la communauté haïtienne en République dominicaine, avec tout et phénomène évacuation, avec déportation qui a fait en République dominicaine ou sous VOA créole. On suit un programme dans langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA créole pour informer l'actualité internationale à mener nous dans la région Moyen-Orient. Côté d'abord, gagné secrétaire d'État Anthony Blinken qui est dans la région pour un sixième voyage pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a rejeté une résolution des États-Unis pour un cessez-le-feu dans la guerre israélo-palestinienne. Sandra Lemaire. We made progress in the last couple of weeks.
Ce que l'État Anthony Blinken mène Israël encore pour ne pas lancer l'invasion et commettre pour le faire dans la ville Rafah, dans Gaza. Blinken dit journaliste au vendredi que les États-Unis partageaient objectif Israël gagnant pour remporter la victoire sur Hamas, mais il dit opération terrestre là, ce n'est pas une bonne façon pour faire. Il dit nous partager objectif Israël gagnant pour remporter la victoire sur Hamas, qui est responsable pour le massacre plus terrible juif depuis l'Holocauste là. Et nous partager objectif qui m'a dit pour assurer la sécurité Israël à long terme. Mais une coopération militaire en Rafah, ce n'est pas façon pour faire. Il risque de tuer plus civils, il risque de créer plus désordre dans l'assistance humanitaire, il risque d'isoler Israël et puis tout partout dans le monde et puis mettre en danger la sécurité à long terme à réputation dans le monde. Blinken est allé après une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui dit Israël prend engagement pour le pousser pour plus devant avec l'opération Rafah. Les dis-moi, nous reconnaître besoin pour évacuer population civile là dans la zone de guerre. Et bien entendu, répondre besoin humanitaire et nous travaillons sur ça. Même dit le tout que nous pas gain aucun moyen pour nous remporter la victoire sur Hamas sans nous pas entrer Rafah et puis éliminer le reste bataillon. Et moi dis moi espérer n'appel avec support États-Unis, mais si nous devons faire pour compte nous, n'appel. Blinken a fait sixième voyage dans le Moyen-Orient depuis la guerre Israël-Hamas là, en main dans le mois d'octobre 2023. Puis fort voyage, il est concentré sur l'effort pour joindre un cessez-le-feu pour augmenter la quantité d'assistance humanitaire qui a entré dans la zone de guerre dans Gaza. Blinken dit qu'il y a un travail qui était pour faire en vain et Antonio sur le cessez-le-feu. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Sandra, avant d'aller, nous connaissons que tu as suivi un développement là, côté que princesse de Galles, en parlant de futur, et reine d'Angleterre, en parlant de Kate Middleton, l'Italien cancer. Dis-nous plus, non. I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding. Whilst I've been recovering from surgery. Future reine Angleterre, Kate, a annoncé vendredi qu'elle a un cancer et la recevoir chimiothérapie. Elle a révélé les conditions li dans un message vidéo que l'était enregistré mercredi, que l'était diffusé dans la Grande-Bretagne vendredi. Vidéo a mis fin dans plusieurs semaines de spéculation sur les réseaux sociaux sur qui côté lié et pour qui ça n'est pas well depuis l'hospitalisation dans le mois de janvier pour une opération dans le ventre. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family. But I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, which I'm so grateful. Lydie, toute famille en entier fait face avec un certain mois qui était difficile en pile. Mais l'équipe docteur moi est fantastique, ils prennent bon soin de moi et moi très reconnaissante. Dans le mois de janvier, moi j'ai subi une opération sérieuse dans le ventre, dans Londres. Dans l'époque là, j'étais en condition moins pas de cancer. Chirurgie s'était bien passée, mais tests qui étaient faits après opération, joint une présence cancer. Équipe médicale moi conseillée pour subir aussi un traitement préventif chimiothérapie et couvrir moi en première phase. Kate dit nouvelle a été choquant pour lui-même, Maril Atimunio, et lui demande public là pour bali temps, espace à respect pour vie privée li pendant la recevoir traitement pour un cancer que lui pas spécifié. Li fait qu'on est li bien, la pour prendre force chaque jour et la concentrer sur bagaille qui pral aider guérir. Merci Sandra Lemaire pour dernier développement ça sur Kate Middleton. Et puis gros nouvelle là aujourd'hui, c'est 40 monde pour petit qui mouri dans Moscou, dans yon on paquet nèg entré dans yon côté que t'as un concert, n'a retourné encore. On allait qu'on y a dans pays la France, nous pral parler un petit peu de vedette dans pays d'Haïti, n'a parlé de New Look qui saccagé Zénith. Et ben Franklin Edward Jedems qui était sous place pour VOA Creole. Il y a environ 4 ans depuis qu'il n'a pas joué en France. Conseil Zenith ça a reporté 3 fois déjà pour une raison pour l'autre. Selon ça, Ali déclaré dans le micro la voix de l'Amérique. Malgré tout, Maestro Wa, t'es très tenace. Faut qu'il fait conseil ça quand même aux Zenith, advienne que vous. Qui ont challenge ça? Nous on va annuler 4 fois. On dit tout. Faut faire pour que ça l'a pas annulé comme ça. Faut faire. Parce que nous veux Zenith déjà. Mais il y a une différence entre participer dans le spectacle qu'a fait au Zénith et puis avec faire au Zénith. Il y a une grande différence. Parce que le fond Zénith, mon vini, il est déplacé pour affiche là. Juste samedi, il est venu arriver. Toute la Pérez passe derrière. Femme dit nous, Zénith de Paris qui a fait concert à partir de 2400 moun pour arriver 6800 moun. Parce que Zénith a des capacités pour lui ouvrir et pour lui fermer tout. Nous look bel et bien à plaguer ou pas. Fanatique qui campé sous des rangs. Public là répond à l'appel. Maestro Ali La Rivière, revisiter une partie d'ancien tube Lio, pour Loving You et lui frapper musique qui sous dernier album dans tout. Il est venu inviter aux et Joey doit filer sans oublier petit garçon Lian qui devait chanter avec lui sur un morceau. Lui rend un hommage à Papa Li Daniel La Rivière et aussi à Pays d'Haïti qui selon lui-même pas mérité souffrance ça. Comment organisateur avec animateur et fanatique yo était considéré spectacle New Look ça. Prestation de New Look ce soir au top, vraiment au top.
Pour moi, oui, ça valait le coup. Hey, écoutez, nous, on est là, on s'amuse, ça va, ça se passe très bien, tout le monde s'amuse, on est dans le bain. Sache que tu es ma plus grande star. Je suis très contente de venir de ce concert, c'était une surprise pour moi. Love you. Avec New Look, pour moi, c'était une évidence, hein, parce que je suis effectivement fan de compas, fan de musique et fan tout simplement des gens talentueux, et c'est le cas de Harley Larivière. Ça représentait une belle occasion pour jeunesse haïtienne. Hein. Montrer que y a un avenir dans la musique là pour s'acter avant, montrer nouvelle jeunesse que y a une ouverture, y a une place autour. Je pense que c'est une fierté pour tout haïtien. Le nouveau jazz qui vient représenter nous dans la scène de Paris. Je suis vraiment content parce que son artiste m'a mis en pile et qu'il y a depuis petit ma poutelle. Moi, j'ai 23 ans aux États-Unis. Pour occasion New Look, je suis obligé de venir visiter. New Look est arrivé quand même à concrétiser et faire ça pour le faire, je vous dis, Zénith de Paris. Et c'est ça que New Look t'a gagné et comme un défi. Et pratiquement, New Look est arrivé à réaliser ça pour le faire. Les gens qui nous accompagnent, fanatiques et promoteurs, nous semblent satisfaits de concert ça. New Look au Zénith de Paris. James Fauclay-Édouard, depuis la Ville Lumière, Paris pour la Voix de l'Amérique, créole. Et nous avons été dans le même esprit à côté que nous allons rejoindre Serge Rodriguez qui pourra parler nous de nouvelles sous Vedatio. Mesdames et Messieurs, salut, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça à Souveau à Creole. Côté nous allons parler de plusieurs bagailles. Nous allons pour vous avec Dr. Dre, spécialiste hip-hop qui finalement gagne cette toile sur le boulevard Hollywood. Nouvelle souveraine de tout apprendre de bonnes sources que l'artiste hip-hop André Young, que le public mondial la connaît en banon de scène Dr. Dre, a eu l'occasion pour constater avec deux grands yeux dans la tête libre à 19 mars passé, propres étoiles palées sous célèbre toit des élus, ça aurait les Hollywood Walk of Fame en anglais. Il y a un pile Goto Kaeli qui a évolué dans le domaine rap hip-hop là, qui a répondu présent à l'appel, gros nom tant que Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, a mis avec gros autobus dans la catégorie là en parlant de Jimmy Lovin. Dr. Dre dit dans l'occasion, c'est un bagage qui te prend temps pour te faire, et il n'est pas vraiment connu pour qui sa responsable galerie boulevard des élus, tu as marché petit pas petit pas sous question. En tout cas, Dr. Je remercie Champ Commerce Hollywood là qui croit qu'il était finalement paré pour suivre pas à pas Ice Cube, Snoop Dogg et 50 Cent qui étaient bénéficiés des étoiles par longtemps avant lui. Dr. Dre qui déjà ramassé 9 prix Grammy, dit pendant qu'il a grandi dans la ville de Compton, État Californie, il n'a pas jamais imaginé qu'il n'a pas recevoir un honneur comme ça dans l'existence. Il a ajouté, moi senti moins fier de ce que je suis arrivé à mettre son genre musical là, dans un autre niveau. Quand on a passé dans l'autre causé qui a un rapport avec la royauté, Prince William d'Angleterre a visité un projet pour les gens qui dorment dans la rue, dans une zone Sheffield qui n'a pas de pays. Visite là a été déroulée mardi 19 mars passé, après publication vidéo Madame Liquet, après il a fini subir une opération, ça a gagné 2 mois comme ça. Mon décaoué vidéo Princesse de Galles que un média en ligne a été publié sur Internet lundi 18 mars passé. Faut que nous disions, Princesse de Galles pas jamais paraît en public avec l'autre membre de la famille royale là, depuis l'époque Noël là. Pour nous retourner sur Prince Héritier William, nous avons dit de mettre sous pied une fondation sur une période de 5 ans. C'est une façon pour démontrer que la question du monde sans abri, c'est un bagage de courte durée qui est rare et qui peut être répété. Et qu'on est à un moment arrivé pour ne pas se connaître juste de rentrer pour nouvelle souhaite, Maïla, dans Miami. Artiste solo Vanessa Désiré a performé pour la première fois le week-end passé dans le festival musical Managougous dans la ville de Miami. Artiste là est très satisfait de l'accueil public. C'est la première fois que Managougous a ça et vraiment satisfait de gens publics là qui accueillent. Parce que moi, j'ai vraiment fanatique fanatique Vanessa là. J'ai des gens qui t'ont chanté avec, qui t'ont enjoy avec. J'ai des gens qui t'ont prêt pour y attendre et qui t'ont campé attendre et danser avec. Pour la première fois pour moi, son succès, je ne vais pas attendre pour me tourner encore. Une autre plus belle expérience dans l'industrie, c'est Jean Mounio t'a accueilli pour premier album solo qui c'est Force, qui ont un paquet de musique que Mounio apprécié, que m'a délivré là. Donc je pense que c'est une booster qui fait moi que je continue dans l'industrie. Notre nouvelle pour aujourd'hui, artiste solo Millie Sings, c'était du passage tout dans l'État Floride. Après performance, l'artiste a été confié nous qu'il fait aux États-Unis. Il apprend à parler créole pour le cas chanter pour Haïtien. Je ne suis pas fait Haïti. C'est New York qui m'a sorti. Je apprends à parler créole pour nous. Je fais ça bien pour me faire, parce que mal dans l'école, je so, fais ça bien pour me faire. Donc so, je nous recevoir, mais je nous encadre, mais je fais ça en pile. Merci un peu de rentrer pour nouvelle souveraineté. Moi, c'est Sergio Rodriguez. Vedette avec Serge Rodriguez et Jude de Wosre. C'est pratiquement là que nous avons mis fin dans le programme. C'était un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Et puis, nous avons dit que gros nouvelles qui sortit dans le pays là aussi, dans la ville de Moscou, c'est attaque ça qui fait dans un gros complexe culturel commercial que le Crocus City Hall. Côté, il y a plusieurs nègres entrés avec des armes automatiques et puis ouvert coup de armes sur le monde. 40 moun pou pipiti mouri et plus passé 100 lot blessé gan pile réaction qui sorti et à travers le monde notamment gagnen et John Kirby qui c'est conseiller sécurité la Maison Blanche qui lui-même lui dit que eh ben il garde image son bagage qui effrayant. L'autre information qui nous porter pour et ben n'a pas connait journal Jean-Jean Mac et eh bien
yon policier TPT yon grenier gauche li avec coup de bonbonne gaz jour qui était 8 février 2024 là pendant li même li tap travail dans cadre travail li ben li remercier population hein yo même qui en Haïti ou sinon ça qui à l'étranger yo et bien pour solidarité yo même yo te gagné avec li victime nan dit li pap fait bac et bien c'est yon devoir pour li servir pays li li dit c'est pas la police qui pétezil mais c'est plutôt yon policier cap service système nan et bien c'est lui même qui t'a arrivé perdu fait journaliste il a perdu il pour bien dit qui donc il fait qu'on est plus loin que il fait qu'on est 8 mars 2024 là exactement yon mois après il te fin pété et bien il gain chance pour yon belle petite lui même qui t'est arrivé fait et bien il t'est remplacé j'ai qui t'est perdu c'est ça journaliste là il fait qu'on est pendant il annoncer ou il voyer gros remerciement ba monde qui en Haïti avec ça qu'à l'étranger même qui pas oublier journaliste là qui t'est bali solidarité quoi il est là il pas quoi c'est la police eux même qui touyer sinon que c'est un policier qui veut dire c'est pas tout système là ou même qui pas bon ça veut dire c'est un grain policier qui a travaillé pour système là c'est lui qui fait journaliste là il perdit grenier gauche li. L'autre information n'a pas connait et bien à partir de lundi cap 25 mars 2024 là et bien tout policier yo a capable gagner possibilité pour capable changer chèque yo dans quelle que soit banque et bien c'est ça Sinapoa lui-même lui annoncer depuis aussi policier eh bien wap capable changer chèque ou dans quelle que soit banque là et par rapport des niveaux insécurité à lui-même qui prend une autre dimension dans pays d'Haïti eh bien ça qui t'a parlé la cause gouvernement lui-même même les nous pas compte tête lui il prend décision si là côté tout policier il y a capable changer chèque c'est une bonne nouvelle pour tout policier qui prend pays à service bandi exam attaqué plusieurs institutions dans la police là eh bien matin samedi à là qui c'est 23 mars 2024 là eh bien en pile coup de balle tap sonné dans zone métropolitaine Port-au-Prince là côté bandi examen yo même rivé attaqué jeudi samedi à la plusieurs espace dans la police tankou commissariat brigade opération intervention départementale n'a faut connait boyk et bien sous zone fort national avec commissariat brigade intervention motorisé à qui c'est bim lui même sur route Clessine là selon radio métronome lui même la police dans entité boy yo t'a pral repousser yo et puis ça qui t'a pral la cause divers caiboulé dans zone fort national pendant bandi examen yo t'a essayer prendre contrôle espace ça et bien dans moment là la police obligé mettre barricade dans tout périmètre ça pour reprendre contrôle situation et puis empêcher yon l'autre attaque encore ta fête sur base boy là pendant ce temps n'a profité rappeler que bandi exam te pral saccagé ak mette di fe nan sou commissariat ki trouvé nan marché Salomon nan date ki te 7 mars ki sou passé a la et même assassin sa yo environ 5 policiers sou commissariat bon repos nan date ki te 29 février te tombé sa ki d'après la cause côté nou te perdit plaisir policier inspecteur police parmi 4 agent policier sa yo même nan attaque si la ki bandi yo même yo te fait sous commissariat Port-au-Prince là sur l'autre bord la police annoncé policier yo pral capable toucher chèque tout gens qui nous te dou là nan l'autre institution banque yo et bien contrairement avec Banque Nationale de Crédit et puis Banque République d'Haïti qui te réservé pour faire ça pour yo possibilité ça li même li pral capable opérationnel à partir de lundi 25 mars 2024 là que nous te déjà dou là selon déclaration Lionel Lazare li même syndicaliste dans la police là syndicat police nationale d'Haïti c'est Sinapoa qui te baille nouvelle si là quoi là c'est une bonne nouvelle pour la police là côté capable changer chèque quel que soit banque là pas gagner tête chargé nèg pas besoin c'est dans BRH pour y aller changer y a capable recevoir ticket toi dans n'importe côté qui te fait déjà parce que police a pas obligé gagner un côté direct pour ta recevoir timani que même y a bali qui déjà pas même en pile. La police a annoncé que yo même yo arrêté deux jeunes femmes de 18 l'année qui t'a impliqué dans zak banditisme. Et bien la police a annoncé hier vendredi qui était 22 mars 2024 là que yo arrêté deux jeunes femmes de 18 l'année dans zone la li. Selon ça, responsable coordination presse à relation
public là qui c'est CPRP et bien dans la police là fait quoi que des mesdames ça eux-mêmes ont une relation l'amoureuse avec membre gang qui n'en vivent ensemble yo et bien Chelsea avec Woodjina de Louis sinon des jeunes femmes ça yo la police eux-mêmes présenté comme monde qui t'a gain lien avec gang et selon détail yo bail des mesdames ça yo fait une après l'autre dans date qui était 12 avec 12 juin et l'autre là lui-même il t'a pas fait dans date qui était 5 décembre 2006 la police nationale d'Haïti a arrêté des jeunes filles ça yo c'était hier vendredi 22 mars 2024 là dans zone la li pour implication présumée dans activité criminelle qui gain rapport avec gang village dédié avec 400 marozo d'après ça yo fait connait et bien dans une note que yo sorti pendant journée hier puis loin responsable la police là lui-même te mentionné tout Chelsea à Kodjina c'est deux cousines mettez sous ça yo hier et bien yo révélé tout yo joine yo yon nan téléphone yo suspect yo divers message qui t'a fait quoi que yo même yo tous les deux a gen relation l'amoureuse avec quelques membres dans gang vivant ensemble yo tankou bandi nan 400 marozo village de Dieu Jérusalem 9 Canaan Simon Pelé avec grand avin la police bay détail mais elle bay trop base mesdames c'est deux femmes seulement pour qu'on y a deux cousines ça yo même yo dans la police en attendant yo passé devant la justice pour juger dossier wa et bien n'a fait connait tout dans diverses opérations police nationale d'Haïti a t'amené en dernier jour ça là gain environ 8 bandits qui t'a mouri droite et bien dans affrontement yo même avec la police parmi individus ça yo chef gang que moun bien connait yo qui était populaire c'est Macandal avec Tigre 84 tout ça tombé nèg ça yo té là quoi là si appel a fait yo obligé mettre absent pour Tigre avec toute Macandal ça côté l'autre bandit même pareil yo lagué à té pourquoi là des cousines ça yo même pour association malfaite et bien yo en bas code attendre pour jugement yo pour connait est-ce que de ça yo accusé yo pour connait là li toujours paraît comme accusation parce que yo pour juger pour connait qui peine yo ou bien si yo impliqué tout bon dans dossier yo même yo accusé yo wa quelle là bagaille yo en pile nèg continuer à tomber là en pile par en pile cap fait côté bandi yo yop attaqué et bien la police a repoussé et la police a mené une série de belles opérations là opération vraiment bien malgré que pas posé pas gain aucun posé là coalition gang vivant ensemble yo toujours li prend contrôle et yo déjà prend contrôle tout n'a pas l'autre côté yo gain contrôle dans moment là yo prend contrôle village solidarité yo basé yo tout près devant l'hôpital Benamiz là sur route aéroport y a tiré cartouche par ci par là et bien selon information qui nous joignent gang Simon Pelé même y a fait tentative pour installer un chef gang dans cité 4 en dedans d'Elma 19 pas rien qui impossible pourtant y a mettre ma y a tiré yo souvent besoin mettre chef gang qui pour le diriger son groupe de pile cartouche toujours à pété dans zone ça toujours tant que tabac en pile cartouche t'a chanté là précisément Bomeria bien bonnet matin là qui c'est samedi 23 mars 2024 là c'est nos premières informations bandi exam ça même yo tap tenté attaquer commissariat ak mairie avec en pile vigilance policier au campé pour prendre contrôle situation et eh bien moun à pied ou même yo ta supposé éviter zone ça yo là yo pas praticable de prendre gain opération ou même qui sont simple civil pas mettre ko pour pas al contrer avec problème sortant à la balle perdu lui même li capable chaper et puis li attaque on a faut qu'on est tout toujours dans dossier la police et bandi n'a faut qu'on est police nationale là dans ville Jacques Mel mettez la patte sous Joseph Mackinson yon invadé qui était dans prison et bien lui même li ta arrivé sauvé individu ça li joine arrestation li c'est dans date qui était mercredi 20 mars 2024 là li était condamné dans pénitencier national pour kidnapping assassinat avec association malfaite pourquoi il a li couri et bien couri a pas porté prix pour lui parce que li couri et bien PNH la remette main sur lui et bien monsieur pral dans prison pire pourquoi il là monsieur gain bonne chance c'est dans Jacques Mel li était tombé il pas fait route pour le tomber en bas commissaire Miskane Miskane t'a voyé monsieur directement dans cimetière et ça le fait qu'on depuis c'est bandouillé commissaire Miskane pas dans bagaille arrêté avec qui donc il fait qu'on est arrêté à tout on est capable toujours gagner une autre chance et puis sont en dia li lagué
pire red. L'autre information, et bien, après qu'on ait un pile plein là qui a commencé en dedans conseil présidentiel cette tête là. Conseil ici là, les mêmes qui déjà t'a gain pour te présenter devant CARICOM, et bien, plein il commencé en dedans conseil ici là, bien fort là. Pendant la première rencontre CARICOM, les mêmes l'été gain avec conseil là, et bien, représentant instructeur Rennes là, les mêmes qui c'est René Jean Jumeau, et bien, il parle pour parti de Dessaline, yon nan membre là capable voter. Et donc, décision CARICOM te voye jete bien loin, et bien, pile lobby a fait là pour ta retirer parti petit Dessaline que nous connaissons en tête li, qui c'est Moïse Jean-Charles, n'a pas même Moïse Jean-Charles ça, pour ta faire partie conseil ici là, et bien, il était obligé a joué sur des terrains, il était gagné mon il semblait il était préparé pour te voir déjà dans conseil là, et bien il était prend pause non, et bien il t'a pral organiser lui même avec Guy Philippe et allié pour te faire un autre conseil qui était gagné 3 membres là dans côté te signé jour qui était 5 mars 2024 là pour ta installer dans palais national. Et bien pourquoi il est là parle en pile qui t'en pété dans CARICOM, cette tête sale pas marcher même quelque soit gens. Cette tête là il a difficile pour le marché dans pays d'Haïti parce que l'endé raconte qui est politicien nous et même Moïse Jean-Charles ça pas jamais joué son seul terrain il était fait qu'on est depuis conseil ici la fin installé il pas marché parce qu'il va supporter en pile persécution opposition pour attaquer et même mon dans conseil même il va camper une face l'autre parce que imaginons seul président pas capable sept pour aller même droit qui les haïtiens étaient qu'on entend conseil pour d'accord avec cette tête en tout cas. Naptan, c'est CARICOM, yo et blanc au campement pour décider. Eh bien, gétan commencé gen parler en pile là, plein gétan commencé fait y a mandé pour retirer parti petite Dessaline malgré CARICOM voye jeté. Il décide là, mais ça pas empêché qu'il te parle. Lorsqu'il gétan parler, bien qu'il n'a déjà tout planté là. Quand il planté ya, ou après l'a souvent a répété. Déjà c'est haïtien qui fait partie conseil ici là, elle nous parler des haïtiens ou déjà qu'on qui ça le dit si tout pour politicien nous. Nous gagnons là, et bien, il n'y a pas réglé rien qui paraît trop sérieux. Pas gagné dans sa cap réglé qui démontre qu'il y a réglé pour le peuple. Sinon, les gars réglé à faire personnel. Il faut connaître tout dans le dossier. Insécurité à pile coup de balle tap chanté sur l'aéroport international tout Saint-Louverture là pendant aïe 22 mars là. Et bien, il y a une situation qui n'a pas changé tout matin là, qui c'est samedi 23 mars là, côté. Coup de balle continue fait Mikalao, sinon d'après information qui vient nous, et bien c'est groupe gang Simon Pilial même qui a fait tentative pour installer un nouveau chef dans zone si là côté zone Delma 19 là pour appeler tout base ça qui gagne dans tête li Juma qui était sauvé dans prison en date qui était 3 mars là pendant groupe gang vivant ensemble même yo écrasé pénitencier national pour te mettre allié yo de yo Juma fait partie même fédération gang si là lui même cap tiré pour installer chef gang yo dans zone Delma 19 situation pas campé dans moment n'a enregistré vidéo là et bien c'est groupe panique qui gagne dans zone si là pour voir si était capable installer gang là dans zone qui Delma 19 là et aéroport à tourner yo pas jamais retirer yo sous lui yo toujours calé yo pour voir qui ça va faire yo attaquer plusieurs bases police là côté attaquer boy yo attaquer bim et bien nèg yo pas jamais faire un seul attaque malgré sous dernier jour ça yo là la police toujours a porté carré bien avec nèg yo mais il dit pas empêcher que yo attaque imagine yo attaquer fond national yo seul quoi yo tout attaquer base bim nan et bien ça veut dire y a fait attaque yo pas pile et pas macote les fin noy monter petit ville yo échoué et bien t'assemblé yo replier yo yo pas gagné visé pour ta tourner dans zone en l'air mais y a attaqué ça qui dans zone dans capitale là côté yo déjà attaqué des bases là pour ouais si tu es capable jeter nous ta souhaité continuer à veiller ville parce que pour arriver pour une bonne affection et l'accent la zone c'est là où tu as supposé continuer pour aller pour toi une bon bagaille pour capable gérer tête. L'autre information que nous portons pour vous, il faut qu'on ait dans le dossier qui vient pour vous avec le dossier étranger, ou même qu'on rentre l'hélicoptère pour l'homme sur le territoire national. Là. Et bien, général, l'armée aérienne dominicaine, lui-même, lui parle. Environ 560 étrangers qui ont quitté le pays d'Haïti dans le vol secours. Pas hélicoptère. N'a pas le vol ça c'est 10 à 15 000 dollars selon Miami Herald lui-même il fait qu'on est pour payer pour capable quitter
pays d'Haïti pour ta faire un vol si là pendant divers voyages avec hélicoptère dominicain au fait en Haïti. Et bien responsable l'armée aérien dominicain y a révélé dans journal Listendial qui sont médias dominicains gain environ 560 monde qui gain temps retirer koyo dans pays d'Haïti. Cependant, d'après déclaration compagnie aérienne, malgré tout vol, citoyen haïtien n'a pas gain autorisation pour voyager dans vol secousa yo. Général l'armée dominicain, les mêmes qui c'est Mao Gomez Vasquez, et bien qu'a dirigé département sécurité ministère des affaires étrangères, les mêmes il était déclaré gain environ 560 monde qui retiré corps dans hélicoptère dans pays d'Haïti. D'après ça, yo mentionné dans un article yo sorti hier qui était vendredi 22 mars 2024 la pi douvan yo fait connait situation pi grave toujours pour ressortissant haïtien yo. Selon déclaration employé compagnie aérien yo, haïtien pas autorisé pour embarquer dans vol sa yo qui gain République Dominicaine comme destination. Parallèlement, l'Istendial yo fait quoi chef étranger qui quitter pays a té caprice toujours. Mais pour qu'on y a là, il y a diverses compagnies pour qu'on a rentré dans le business là à cause de l'autorisation toujours été un processus qui est difficile en pile. Département d'État américain lui-même dit gagner 1660 Américains qui m'ont déporté au secours en Haïti. Pourtant, c'est seulement 30 personnes par jour qui ont allé. Et bien, n'absolie tout, raison qui la cause tout retard pour autorisation plus compagnie aérienne. Yo même yo ta fait vol yo, et bien, c'est nan logique pour assurer sécurité nationale République Dominicaine. Processus sélection yo nécessaire si tout avec évasion prison yo en Haïti. Nous même nous devons agir avec un pile prudence, et bien, non seulement pour sécurité nationale nous, mais tout pour responsabilité internationale nous, selon parole ministère des Affaires étrangères Saint-Domingue, lui-même qui c'est Roberto Alvarez. Et bien, pourquoi il a même pas gagné cap trop facile pour nous? Parce que selon Alvarez, lui-même, non seulement faut gérer sécurité nationale et faut gérer tout ça qui vient pour avec sécurité internationale. On a rappelé, et bien, République Dominicaine là, l'idée a placé dans une en 69e position selon journal Listendial comme pays lix qui gagne pour capable aller visiter. Et bien yo pa vle yo même pour y aller perdre valeur yo nan quitter haïtien rentrer al faire quelques vieux zak la caillou là parce que depuis zak ta tombé touriste pas rentrer. Mais est-ce que ça a tout le pas une cause qui fait dominicain d'accord? On pas dominicain d'accord, c'est nous craser pays. Dominicain pas cap faire rien pour nous garder gens la caillou, c'est pour faire yo. Et ben nous dominicain pas faire rien, sinon nous même nous craser pas nous, nous pas capable venir touriste. Et bien pourquoi il est là, yo prend nous comme un danger, même yo te connait déjà. Et bien par rapport des dangers yo prend nous hier, yo pas veut faire vol pour qu'on capable ouvrir grand pile difficulté pour vol ta relouvrir là pour haïtien capable passer dans pays pa yo sans aucun difficulté. N'a faut qu'on ait yon source nan niveau à Komontana li même li démenti que yo même yo te plaidé devant CARICOM pour que 9 membres yo même yo te doit voter pa CARICOM. Ça pas fini, non, li pas fini côté source là li même li fait qu'on ait que à Komontana yo même yo démenti que yo pas plaidé. Eh bien, bataille la gita commence bien red la côté yab ba. Ou bien t'entendez haïtien Abdi ou te dit, eh bien, à comment t'en a démenti information qui te fait quoi que yo te mandé pour monter 9 moun yo même yo te capable voter. N'après bloquer CARICOM pour faire partie conseil présidentiel 7 tête plus DA, eh bien, ou pas capable aller dans élection. Eh bien, c'est un bagage qui paraît clair. Malgré haïtien ou mettre tant de là, t'aller même yo même entre yo capable péter coquin, yo pas d'accord, mais ça sera CARICOM met sous. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin.
pas oublier une des premières façons que vous avez capable faire sentir travail n'a fait arriver sur c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout pas oublier activer la cloche notification mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous porter une nouveau vidéo pour sur channel ça partager vidéo avec vos amis vos familles une façon lui même pour capable joindre information à tout et pour ça on aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter le pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information gens lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.